Bonjour Shavua Tov, une bonne semaine. Parashat Vayikra, c'est le début du troisième livre de la Torah qui est appelé le livre de Torat Kohanim. C'est principalement un livre qui va nous parler de pureté, impureté, de sacrifice, puis un petit peu de cacheroute. C'est pas un livre qui va nous apprendre beaucoup sur l'histoire des Béné Israël, mais principalement des mitzvot et dans la grande majorité des mitzvot qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus accomplir. Vayikra, ça veut dire il l'a appelé. Qui appelle qui? C'est Hachem qui appelle Moshe. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la parashat Pekoudé, celle qui conclut le Sefer de Shemot, tout est prêt, le Mishkan, le tabernacle, mais Moshe ne peut pas y rentrer, alors Hachem l'appelle Vayikra'el Moshe. Le Rabbi, dans un de ses discours, explique qu'il y a deux sortes d'appels. Lorsqu'on appelle un ami, des fois c'est pour le renforcer. Kriyat Rizouk. Il va pas bien, on a envie de le bouger un petit peu, alors on l'appelle. Allez Michael, il faut y aller. Des fois, appeler, c'est idoud. On encourage. Un ami souhaite faire une course, alors on l'encourage. On dit, allez, 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 Michael, vas-y. Dans les deux cas, on appelle. Mais des fois, c'est du chizouk, c'est renforcé. Et des fois, c'est du idoud, c'est encouragé. Le début de la paracha, c'est Vayikra. Hachem, il s'adresse en vérité à Moshe, mais à travers Moshe, c'est à chacun d'entre nous. Il nous appelle, il nous lance un appel. Alors, il faut entendre l'appel d'Hachem. Des fois, il vient nous renforcer, on n'a pas la force, on n'a pas envie. Hachem, il nous appelle et il nous dit, allez, vas-y. Des fois, c'est lorsqu'on a réussi quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on aille plus loin. Alors aussi, il nous dit, allez, vas-y. Alors, il nous appelle. C'est à nous d'entendre cet appel comme du chizouk pour nous renforcer ou du hidoud pour nous encourager. Dans les deux cas, c'est un appel. Il faut savoir tendre l'oreille et entendre l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une bonne journée et à demain, Bezrat Hachem.